Mon élément, c'est le feu, et je suis yin. C'est vrai que je suis assez tout feu, tout flamme, mais pour moi, les éléments, c'est évidemment la nature. Et plus les années passent, plus je tisse un lien on ne peut plus fort avec, avec tout ce qui est nature pure, dépourvu de toute trace humaine. J'ai beaucoup plus besoin d'une ligne d'horizon, de pouvoir respirer avec les yeux, par exemple, que d'un grand appartement. J'ai beaucoup plus besoin de pouvoir me perdre dans les odeurs d'une forêt ou un champ de fleurs ou de colza que de manger un plat extraordinaire fait par un chef étoilé. L'un est un plaisir, l'autre est un besoin. Ça m'apporte une certaine harmonie, un équilibre, un bien-être. Je me souviens que la première fois où j'ai senti un parfum qui m'a vraiment emmené loin, c'était du musc. Il y a quelque chose dans le musc qui me berce un peu, qui me rassure. C'est-à-dire que jusque-là, je n'avais pas encore eu l'expérience d'avoir une sensation de bien-être à travers une odeur. Je vous dois combien pour la séance ?